vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Alors c'est parti, on se retrouve pour le premier haul action de l'année 2019. Je suis trop contente et je pense que sur ma chaîne, vous en retrouverez cette année un peu plus que l'année dernière puisque je vais essayer chaque mois de me déplacer à Action et de vous proposer quelques petits hauls action et j'espère trouver des nouveautés. Cette fois-ci, je suis super contente puisque les produits que j'ai retrouvés, c'est des produits que j'ai retrouvés chez mes beaux-parents durant les vacances de Noël. Donc ces articles, je les ai retrouvés le 25 exactement et je suis trop contente parce que j'ai retrouvé plein de choses. J'ai craqué vraiment mon slip, j'ai fait de très belles trouvailles. Vous allez voir le pourquoi du comment et des petites nouveautés aussi. Donc si tu as envie de voir la suite et si tu as envie de voir tout ce que j'ai acheté, eh bien on se dit let's go! Tous les tarifs des produits seront juste ici. Ici, en haut. Je ne sais pas comment je ferai. Parce que pour ma part, je tire mon chapeau à toutes celles qui font des vidéos haul action et qui cherchent sur le ticket de caisse. Parce que pour ma part, le ticket de caisse de chez Action, pour ma part, c'est le gros bordel. Donc, je sais, je me répète, mais pour tous les nouveaux et les nouvelles qui arriveront sur ma chaîne, les tarifs seront juste ici. Voilà, je trouve ça beaucoup plus simple pour ma part. Le premier produit, j'ai pris donc des petits pinceaux. Vous verrez, je compte vous faire un vlog. Normalement, c'était prévu aujourd'hui, mais j'ai mes enfants qui sont malades. Donc, c'est impossible pour moi de tourner une vidéo. Là, je le fais assez rapidement parce qu'elles sont en train de dormir. Et je vous montrerai un petit peu ce qu'elles ont eu pour Noël et ce que j'ai eu pour Noël aussi dans ma chaîne de vlog. Donc si vous ne me suivez pas, donc je vous mettrai en barre d'infos. Et de toute façon, c'est toujours en barre d'infos. Vous avez le lien de ma deuxième chaîne. Donc j'ai pris ceci, ce sont des pinceaux. Je suis sûre qu'on les retrouve chez Tonton Annie. Donc pour tous ceux qui ne les retrouveraient pas, je vous mettrai donc ici le tarif qu'on peut retrouver chez Tonton Annie. Voilà, ça c'est vraiment pas cher. Et ceux-ci, vous les retrouvez dans les centres culturels, style Cultura, centre culturel de chez Leclerc et d'autres. Ça coûte une blinde. Alors peut-être qu'ils sont de meilleure qualité, ça je veux pas le nier, mais pour ce que en font les enfants, au jour d'aujourd'hui, voilà, je préfère mettre ce prix-là. Et puis on verra bien. 17 de pinceaux de plusieurs formes, vous voyez il y a des petites formes comme ça en mousse, en forme de fleurs, en forme de pinceaux beaucoup plus longs, donc c'est adapté pour les enfants et ça je n'ai pas payé cher. Ensuite le bon petit plan que j'ai retrouvé, et ça je l'avais regardé dans les centres culturels et je trouvais que c'était un petit peu cher, mais pour ma part il m'en fallait parce que c'est ceux qui donnent à l'école et c'est beaucoup plus pratique et moins catastrophique. Ce sont des petits gobelets comme ceci. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense que les mamans qui ont des enfants, oui, c'est des petits gobelets où les enfants mettent le pinceau à l'intérieur. Ça leur permet de nettoyer les pinceaux quand ils les enlèvent. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Moi, je préfère et j'en ai acheté 3. Donc, il y avait d'autres couleurs, mais Maëlia a choisi bleu, vert et rouge. 3, parce que je me suis dit, si un jour je fais une activité avec les enfants que je garde, elles sont 3. Donc, il n'y a pas de jaloux. Donc, ça sera mis dans son petit bureau. Ensuite, j'avais vu chez Cultura, je voulais lui acheter les bidons de peinture. Je voulais pas partir sur des peintures style basique qui sont sur des palettes. Je voulais pas partir sur de la gouache parce que c'est difficile pour les enfants quand ils sont petits. Elle va faire 3 ans. Voilà, donc je voulais des petits bidons. Et j'avais regardé au centre culturel chez moi, sans déconner, le bidon de peinture 5 euros. Alors on est sur des marques enfants. Et vous savez que ma marque préférée pour enfants, c'est la marque Giotto. Je vous ai d'ailleurs fait une revue sur les produits de Giotto. Donc j'essaierai de vous retrouver ma vidéo et vous mettre dans le petit juste ici s'il y a des mamans qui me suivent et si vous souhaitez des produits, certes qui coûtent un peu plus cher, mais ce sont des produits au top. C'est-à-dire que si l'enfant vous colorie sur le mur, sur la vitre, sur une couette, sur un meuble tout neuf, un coup d'éponge et c'est fini. Sur les habits, sur les vêtements, c'est le top. Et en plus de ça, c'est adapté
sur les enfants. Donc, vous l'aurez dans le petit juste ici, s'il y a des mamans qui me suivent. Voilà, vous aurez la revue et si vous ne connaissez pas, eh bien vous irez voir et n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Action, j'ai retrouvé les petits bidons de peinture. Alors, vous avez les bidons de peinture, attention aux loisirs créatifs, dans le scrapbooking avec les tableaux et tout, qui sont de l'acrylique, qui sont pour adultes. Et je me suis dit, oh non, ils n'en auront pas. Et oui, ils en avaient, et dans le rayon enfant, avec les pinceaux, la pâte à modeler. Et ça, j'ai trouvé ça juste trop top. 90% naturel. Donc, j'ai pris un rouge, un jaune, un bleu et un vert. Il y avait le noir et le blanc. Le noir, j'ai pas voulu parce que c'est très salissant. Et le blanc, je l'ai pas pris parce que voilà, j'avais pas envie. Donc j'ai pris ces quatre petits bidons. C'est quand même des contenants de 250 ml. Et quand vous verrez le prix que j'ai payé à Action et qu'on retrouve au centre culturel, franchement, pour faire la peinture de temps en temps, ça fait la blague. Donc ça, j'adore. Le prochain produit que je me suis acheté, c'est... Oui, un tapis de souris, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, j'ai la souris qui s'affole. Quand je fais des montages, elle s'en va toute seule, comme ça, et ça me gave. Voilà. Et j'avais vu ce tapis de souris sur le haul Action de Hello Rayon de Soleil. Je crois que c'est que j'aime beaucoup au passage. Si elle regarde ma vidéo, je te fais des bisous. Et elle avait présenté. Alors, c'est vrai que c'est très gaming, c'est très masculin. Action devrait penser aux femmes qui font aussi de l'ordinateur, que ce soit un peu plus féminin. Mais pour le prix, hein, je vais te dire, ça fait bien la blague. Vous l'avez en rouge avec des flammes ou vous l'aviez en bleu. Donc moi, j'ai pris cette couleur-là. J'ai repris mon chouchou parce que j'ai toujours peur d'être à court de ce produit. Et la dernière fois que je suis montée à Action, eh bien, il en restait pratiquement plus. Là, il y en avait une tonne. Et j'ai racheté mon chouchou, mon nettoyant de cuisine, salle de bain. Celui-ci, je pense qu'il fait tout. Je l'aime beaucoup. Il sent super bon. Et c'est vraiment pas cher. Voilà. Et ça, je le prends à chaque fois. Je crois qu'il m'en reste deux, mais j'ai toujours peur d'être à court de ce produit. Le jour où Action n'en fera plus, je pense que je serai très malheureuse. Donc, j'ai acheté ce produit qui coûte vraiment pas cher. Si vous l'avez jamais testé, testez-le. Il sent super bon. Il fait plus ou moins bien son job. Voilà. Donc, ça... J'adore beaucoup. Oui, c'est les désodorisants à la lavande et au patchouli. Franchement, je vous dirais sincèrement, on ne sent pas la lavande, on sent le patchouli. Et ça a une odeur de fifou, quoi. Et pourtant, j'aime pas l'odeur de lavande, mais ce produit, c'est une tuerie. Voilà. Et vous le savez, si vous suivez, mon Action n'est pas près de chez moi. Et les deux fois où je me suis déplacée, ils n'en avaient plus. Là, il y en avait une tonne, donc j'ai fait la razzia. J'en ai acheté trois. Et c'est vraiment pas cher. Et c'est une tuerie. J'adore l'odeur de ce produit. Ah ouais, j'adore ça. J'adore mettre ça dans ma maison, dans la salle de bain, dans les chambres, partout. Ça, j'aime beaucoup. Prochain produit, pareil, j'ai fait la razzia. Ce produit, on me l'a offert lors d'un swap. Je suis tombée amoureuse. J'ai contacté une autre youtubeuse pour savoir si elle pouvait me les retrouver. Elle n'a pas retrouvé. Ma soeur m'en a retrouvé, donc je les ai récupérés. Je lui ai payé. Et lorsque je suis allée à Action chez ma belle-mère, il y en avait une tonne. Donc déjà, j'en ai acheté, donc je crois, trois. C'est ces produits. C'est une tuerie. Ces produits sont une tuerie. J'en ai acheté 5. Donc du moins 3 chez ma belle-mère. Et 2 parce qu'il en restait 2 chez ma soeur. Donc j'en ai 5. Et ceci, c'est une tuerie. Je vous mettrai une petite vidéo close-up ici lorsque je nettoie mes pinceaux. Franchement, ça, si vous ne connaissez pas, si vous les retrouvez à Action, achetez-les. C'est des nettoyants pinceaux. Déjà, l'odeur, elles sont super bonnes. Et pour le prix, il fait super bien son job. Voilà, moi je nettoyais toujours mes pinceaux avec du gel douche de chez Intermarché à la barbe à papa. Et là, franchement, je suis tombée amoureuse. J'en ai eu un lors d'un swap et je n'arrivais plus à les retrouver. Donc là, je suis super contente. J'ai la razzia et c'est des contenants de 200 ml. Le petit bémol, c'est qu'il faut en mettre
plutôt pas mal. Sur des gros pinceaux, sur les petits pinceaux, ça va. Ça part assez vite, mais sur les gros pinceaux, style pinceau fond de teint, les pinceaux blush, les gros pinceaux, voilà, il faut mettre un peu plus de produit pour que le pinceau soit un peu plus propre. Mais franchement, pour le prix, hein, moi, je suis tranquille pendant un petit moment. On va continuer dans les contenants liquides. J'étais dégoûtée par contre parce que là, j'ai pas retrouvé les brumes spéciales Noël. J'ai fait tous les rayons, je ne les ai pas retrouvés et je suis vraiment dégoûtée. Vous savez, mon amour pour les brumes corporelles, moi je m'en mets sur le corps, j'en mets sur mes coussins. Le soir quand je vais me coucher, il faut que j'ai une odeur super agréable, que ça sente bon. Et j'adore les brumes de chez Action. J'avais des brumes de marque, mais franchement, pour le prix qu'on retrouve chez Action, ça vaut vraiment le coup. Et là, j'ai retrouvé donc ces deux brumes. Donc, c'est pas des brumes nouveautés, c'est des brumes, je crois, de cet été, ou peut-être avant. C'est pas la collection avant, mais j'ai retrouvé ces deux brumes. Donc, il me semble que j'en avais gagné une en concours. Je crois que c'était la bleue. Et il y en avait d'autres, mais l'odeur ne me plaisait pas. Voilà. Alors, j'ai pas retrouvé les brumes spéciales Noël qui étaient noires, qui étaient des odeurs très forte et c'est tout à fait mon caractère. J'aime les parfums vraiment forts de caractère et je n'ai pas retrouvé non plus les brumes de Christina Aguilera qui apparemment sentent super bon. J'ai retrouvé ces deux et je suis tellement contente des brumes de chez Action que j'ai pas résisté d'en acheter pour en avoir en réserve. Donc j'ai pris la petite violette qui est la Secrète Flirt. Et j'ai pris la bleue qui est la Summer Crush que j'ai senti qui sent super bon. Par contre, la jaune, j'ai pas aimé donc je ne l'ai pas acheté. Donc, ça, super contente aussi. Ensuite, là, c'est ma fille qui était super contente. On a acheté deux boules de bain. Oui, et là, il y en avait une tonne. On ne savait même pas lesquelles choisir. Je vous ai dit que les boules de bain chez Action, c'est une tuerie. Par contre, ne prenez pas celles qui ont des petites paillettes. Alors, celle-ci. Je crois qu'on l'avait déjà acheté et ça fait des paillettes. Et les paillettes des boules de chez Action, ça vous salit toute la baignoire. Vous galérez à enlever les traces. Donc ma fille a revoulu prendre celle-ci. Voilà, donc j'ai repris celle-ci. Il me semble que celle-ci, c'est celle que m'avait offert ma soeur lors du colis surprise Action. Donc je verrai bien, voilà. Mais celles-ci qui sont sans paillettes, sans rien, sont beaucoup mieux que celles avec paillettes. Voilà, ça fait des traces et c'est super galère à enlever. Mais voilà, les enfants sont tellement contents quand vous mettez ça, ça fait de la couleur, ça sent super bon. Et au vu du tarif, si maman reste pendant une demi-heure à laver la baignoire parce qu'elle est blanche, c'est pour leur faire plaisir, quelquefois, allez, pourquoi pas. Donc j'ai acheté ces deux boules de bain. Mais chez ma belle-mère, il y en avait une tonne, on ne savait même plus lesquelles prendre. Donc voilà. J'ai pas hésité, je les ai achetés. Prochain produit que j'ai acheté, et franchement, il y en avait une tonne. Je sais que ma très chère Paula m'en a acheté, mais je me suis dit, si ce produit est vraiment génial au vu des vidéos que j'ai vues, je me suis dit non. Prends-en parce que tu risques de regretter si jamais après t'en retrouves plus. Et c'est ceci. Ce sont les patchs qu'on met sous les yeux, des masques patchs en forme de dentelle. On les retrouve sur Tonton Ali, mais les packagings ne sont pas aussi jolis que ceux de chez Action. Donc j'en ai acheté trois. Dans chaque set, vous avez donc deux petits patchs en forme de dentelle. Le prix, on en parle, c'est vraiment pas cher. On peut se faire plaisir, on peut tester. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ben, on n'a pas gaspillé énormément d'argent. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On en fera une vidéo crash test très prochainement et on verra ce que ça vaut. Ensuite, là, je suis super contente parce que je les ai retrouvés et il en restait pas mal aussi. Et ça, je pense qu'on le fera avec les petits patchs. Et ce sont ces masques. Et comment vous dire que quand je les ai achetés, j'en ai acheté deux parce que je me suis dit si c'est vraiment un top, tant mieux. Si c'est pas un top, ben voilà, j'en ferai gagner ou j'en mettrai dans des petits colis. J'ai vu les revues juste en rentrant de vacances. Et ils sont pas du tout comme les masques peel-off gold, vous savez, où il y a eu énormément de buzz dessus, où c'était une
grosse catastrophe, ça faisait super mal. Et donc celui-ci, c'est un masque paillette qui ressemble beaucoup au masque qu'on voit beaucoup tourner en ce moment chez Glam Glow. Il va y avoir Too Faced qui sort aussi son masque à paillettes. Je sais pas du tout quand il va sortir ce masque, mais je pense que je me l'achèterai. Et Action a sorti donc les masques paillettes roses. Je sais pas si vous pourrez les voir, mais voilà, ils sont roses. Et je ne sais pas du tout combien on en a à l'intérieur. On en a 4. Et je ne sais pas du tout comment sont les packagings. Je crois que j'ai vu une revue de ce produit. Apparemment, ils sont super bons. C'est peel-off, mais ça ne fait pas mal. Il y a 10 grammes. Et puis, j'en ai acheté 2. Voilà, parce que je trouve le concept super génial. Et puis, voilà, on est des femmes et on aime tout ce qui brille, tout ce qui est bling-bling. Donc, j'en ai acheté 2. Ensuite, ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma sœur avec les deux produits liquides pour les pinceaux. Elle m'a pris ceci, voilà. Parce que quand j'ai demandé qu'elle me prenne les produits pour les pinceaux, je lui ai dit, regarde s'il y a les masques bubble. Et en fait, elle s'est trompée. Elle a acheté cela. Et cela, j'ai vu que, voilà, ils n'étaient pas topissimes. Ensuite, on va passer aux nouveautés. Donc, j'ai retrouvé deux nouveautés rayon make-up. Le premier, en ce moment, je sais pas, j'ai la folie des fossiles. Donc, j'ai retrouvé ces fossiles chez Action. Et je trouve qu'ils sont super géniaux, quoi. Ils sont super jolis. On a des fossiles qui sont pas trop volumineux, qui sont pas trop dramatiques, qui font super naturel, quoi. Et je les ai vraiment pas payés cher. On a quand même 3 fossiles. Donc, on en a un peu plus... volumineux mais pas trop non plus. On a ceux-là qui sont beaucoup beaucoup plus fins et on a ceux-là où ils partent plus court au plus long. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez les voir, mais ils sont super super jolis. Et ça, c'était vraiment pas cher. Je sais pas du tout si dedans il y a à l'intérieur il y a la colle ou pas. Il y a la petite colle à l'intérieur. Voilà, il y a une petite colle comme ceci à l'intérieur. Bon, moi, je n'utiliserai pas parce que j'ai ma colle de chez Yuda que j'aime d'amour. Mais voilà, sachez que vous avez la colle à l'intérieur. Et ensuite, le deuxième produit que j'ai retrouvé après les autres choses, je les avais vues tourner, mais ça ne m'intéressait pas. Et j'ai pris uniquement le mascara paillette parce que je n'en ai pas. Voilà, donc c'est un mascara glitter lash. Il y avait uniquement cette couleur, donc c'est une couleur argentée. Voilà, donc pareil, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer comment est la brosse. Alors c'est parti, on va tester. Donc aujourd'hui, je vous avoue, on est le 31, donc je dois sortir, mais tant pis, c'est la fête. Et je le mets sur du mascara qui est... Produits. Donc ma fille cherchait des cartes à gratter magiques, elle n'a pas retrouvé, et elle a retrouvé ceci parce qu'il était perdu tout seul et qu'elle était super ravie. Et je pense que c'est moi qui l'ai vu, et c'est un peu comme les cartes à gratter, donc c'est un rainbow magique. Donc ce sont des feuilles noires et elle fait des dessins, et en fait en faisant des dessins elle a plein de couleurs différentes sur le papier. Et je pense que les cartes à gratter ne sont pas du tout identiques. Mais voilà, pour le prix, elle était super contente. Vous avez à l'intérieur 2 bâtons en bois, donc un fin et un beaucoup plus épais pour faire d'autres dessins. Voilà, elle a 24 feuilles. Pour le tarif, je trouve que voilà, Action, franchement, ils sont super bons au niveau papeterie. Ils sont géniaux. Les deux derniers produits, donc celui-ci, je vous l'avais dit que je le voulais et que je regrettais de ne pas l'avoir acheté. Il en restait qu'un à Saumur et je me suis dit, tant pis, tu le prends. Donc, ce sont les lettres colorées pour mettre dans ma lightbox pour changer un petit peu. Vous en avez 90, ça coûte vraiment pas cher. Vous avez plein de choses, plein de petites formes, là, et des étoiles. Il y a des cœurs, je pense qu'on retrouve les mêmes en noir, mais là, c'est en coloré. Et je me suis dit, pourquoi pas changer un petit peu les couleurs de fond
Les produits, pareil, ça je l'ai vu tourner, je l'avais pas retrouvé et c'est vrai que lors de mes déplacements, j'ai un tout petit miroir et ensuite j'ai mon miroir fétiche que j'ai acheté pour la troisième fois. C'est celui-ci, vous le savez, c'est mon miroir que j'adore pour faire mes tutos. J'adore ce miroir. Le premier, je l'avais cassé. Le deuxième, c'est Maïlia qui me l'a cassé et j'en ai racheté un troisième que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est mon chouchou, voilà, tout simplement. Donc il est super bien, il est super léger et je l'adore. Par contre, ça, je ne m'aventure pas à le prendre en déplacement parce que j'aime trop, même s'il coûte pas très cher sur Tonton Ali. Et là, sur Action, on retrouve celui-ci. J'ai pas fait attention, il était un peu cassé, mais c'est pas grave. Et c'est un miroir portable. Voilà, donc je pense que vous l'avez en plusieurs couleurs. Je crois qu'il était en bleu aussi. Et voilà, c'est un petit miroir comme ceci. Et qui vient se clipser comme ceci. Voilà. Hop. Vous voyez? Top. Il se clipse comme ceci. C'est un très très grand miroir. Vous voyez? Hop. C'est super génial. Et ça, pour mes déplacements, ben, c'est beaucoup mieux que me maquiller avec un petit miroir comme ça. C'est pas du tout pratique, en plus que je tiens à la main, alors que celui-ci, il sera juste génial. Voilà pour cette vidéo qui était quand même, je vous l'ai dit, un big haul action. On commence l'année en force. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Alors si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre plein de petits pouces vers le haut, bien sûr, comme d'habitude, je vous le répète. Mais si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous êtes libre de mettre un petit pouce vers le bas. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si bien sûr tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu as apprécié son contenu, eh bien n'hésite pas à venir juste ici, à venir t'abonner et d'activer la cloche. Ça fait super plaisir. Surtout que plein de petites surprises vont arriver au courant janvier. Des nouvelles vidéos, des nouveaux partenariats. Une petite surprise, je n'en dirai pas plus. On verra de ce qui est la suite pour YouTube et ben, j'espère vous retrouver très très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve bientôt.